Bon matin à tous, c'est Sylvain Joannet de SEJC Électronique à Saint-Sauveur. Une petite vérification ce matin, mais je voulais vous en faire part. C'est un système, une batterie de protection en cas de panne de courant qu'un client m'a apporté. Celui-ci, c'est un CyberPower 425VA. Il me l'a apporté parce qu'il me dit qu'il n'allume plus du tout. Fait que si je le branche, il n'y a plus rien qui se passe. La première chose à faire quand vous avez ça, je sais par contre qu'il y a une petite vis spéciale, là, puis ici elle a été comme forcée un petit peu à manger un petit peu la volée. C'est de vérifier l'état de la batterie à l'intérieur. Si la batterie est complètement morte, oubliez ça, l'appareil ne fonctionnera pas. Fait que j'ai enlevé la vis qu'il y avait en arrière, puis j'ai retiré ça. Voici la batterie. On peut débrancher ça avec un multimètre, vérifier son état. Ça y prend un minimum pareil. Là. Ça fait que si je m'en vais en volt ici, c'est toujours en volt continu, en tension continue. Négatif, positif. J'ai à peine 1.5 volts. J'ai 1.5 volts, une petite affaire de plus. 1.5 volts, mais c'est supposé d'être 12, cette batterie-là. Donc, pour vérifier si l'appareil fonctionne bien, moi j'en ai une batterie. Elle était plus grosse, elle n'est pas faite pour aller à l'intérieur de ça, mais c'est une 12 volts pareil, puis ça me permet de vérifier si l'appareil est fonctionnel. Si je viens mettre ma batterie ici, que je mets ça là, et voilà. Il allume à nouveau. Fait que assurez-vous toujours que la pile à l'intérieur, si vous ne pouvez pas le défaire parce que vous n'avez pas l'outil pour le démonter, la vis, vous me l'apportez. Ça, c'est une question de 5-10 minutes. Magasinez également pour votre batterie parce qu'il y a différents prix là-dedans. Il y en a qui peuvent vendre ça jusqu'à 50, 60, 70 $. Moi, je l'ai trouvé à 18 à part le transport, 33. Fait que magasinez ça. Ça vaut la peine de démagasiner. Puis ça ici, ben, je vais remplacer la batterie et commander toute. Après ça va fonctionner de nouveau. Merci. Bonne fin de journée.